Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle VOD. Et vraie question, comment allez-vous? Et ce soir, c'est un stream qui n'était pas prévu et j'ai déjà lancé le stream, mais là, je refais l'intro pour vous, YouTube. Ce stream n'était pas prévu, je ne savais pas quoi faire et le titre du stream actuellement, c'est « Ça fait quoi ce soir? Souffrir ou chiller ?» Donc soit je faisais du Animal Crossing, du BCH, du Top Opening of All Time. Mais non, je me suis dit « Et si ?» Je re-téléchargeais Angry Penguin. Donc écoutez, je pense que c'est le moment. On va essayer de faire les succès. On va essayer un petit peu de voir les skips du jeu, etc. Mais je serais chaud d'essayer d'obtenir tous les œufs. Surtout que j'ai vu où la plupart étaient. Je me souviens pas de tous. Donc on verra. Angry Penguin. Je fais le 100%. Bonne chance à moi. Et voilà, c'est parti. En plus, je me suis mis une musique de shonen, là, en fond. Shamisen rock. Donc, écoutez, voilà. La musique est finie. Oh, potion. Alors, résolution. Plein écran, non. Ah, je suis obligé de jouer en plein écran sur cette merde, je crois. Je sais plus. Oh, et bonsoir, GLaDOS. Et bienvenue sur ce nouveau streaming. Et comment vas-tu? Vraie question. J'avais oublié que je devais jouer en plein écran sur ce truc. Alors comment la capture fonctionne? Lival TV de S... Alors c'est pas Levi, c'est Lival. Et c'est un pseudo que j'ai avant que SNK ait buzzé. Donc malheureusement, le pseudo n'est pas du tout une référence à SNK. Sinon elle serait trop simple. Et non, malheureusement. Bon alors, est-ce que la capture est bonne? Ça a l'air. Hein. Ce que tu dis, c'est qu'ils te l'ont volé, les bougres. Bah en fait, c'est juste un hasard. Après, je préfère que ce soit Levi à la limite qu'à un autre perso de merde. Tu vois, là, je me dis au moins, tu vois, c'est un perso qui est cool et tout, qui a un bon doubleur. C'est, je me dis, c'est un mec qui a du style quand même. Donc finalement, c'est pas si mal. Bon bah je vais rester comme ça, hein, avec mes 120 FPS. Tous les persos sont géniaux dans SNK. Qui ne l'est pas? Oui c'est vrai. Bon je te dirais des persos secondaires à la limite, parmi les potes d'Eren, et encore ils ont, on va dire ils ont tous leur charme, ils ont tous leur personnalité. Tu vas m'en vouloir en disant ça, mais typiquement Sacha... Moi, je m'en foutais royalement quand elle s'est fait tuer. Connie, m'en fous. Allez, on va dire Berthold, m'en fous. Annie, m'en fous. Mais après, c'est je m'en fous, mais c'est pas des mauvais persos, tu vois. C'est juste, ils m'ont pas marqué plus que ça. Bon alors, l'île abandonnée. Oh non. Bon alors, qu'est-ce que je fais? Attends, on est d'accord, faut pas que je joue en QWERTY. Ah mais l'écran, il est merdique. En fait, faut que je joue en... Faut vraiment que je joue en plein écran. Parce que... Ouais. Attends, il est au plein écran? Ouais, voilà. Ouais, mais je pense que la... Est-ce que la capture de jeu va être bonne, du coup? On est comment au niveau de la capture? Elle fonctionne, elle a l'air d'être bonne. Alors, le seul problème que j'ai quand je stream en plein écran, et je l'ai vu sur le record la dernière fois... Le record était pas bien. Faudrait que je fasse à la limite une capture de fenêtre, je pense. Pour le jeu. Donc voilà, tac, capture de fenêtre. Et je... capture d'écran, pardon. Et je pense que là, la... Alors je vais juste faire des petits tests de record. Pour voir si c'est mieux comme ça. C'est surtout là, quand je fais ça. Ouais, je sais pas si on perd des images. Et je vais tester maintenant sans être en plein écran. Tac. Alors, comment on est maintenant? Ouais, ça revient au même. Bon alors! Alors, du coup, objectif 100%. Donc, on a vu que les... Enfin, on a vu. J'ai vu, moi, les... Merde. J'ai vu les œufs en off. Où ils étaient, la plupart. Donc, mon objectif, ça va être de les récupérer. Évidemment, objectif ne pas... Ne pas mourir trop souvent.
pour éviter de restart je ne sais combien de fois le jeu vidéo. Mais j'ai appris. La dernière fois. Bon là on connaît, il y a le poisson. Alors ce poisson là il nous permet de faire un giga skip. Mais il m'intéresse pas trop pour l'instant. Je suis pas en speedrun du coup il... Mince. Je me dis que c'est pas très très grave pour l'instant. Et par contre moi il faut que je mette le chat parce que je le vois plus sinon. Normalement il est sur mon écran principal mon chat. Bon alors. Alors déjà. On a un œuf. Qui est par là. Alors l'œuf. Je l'ai peut-être pris sans faire exprès. Mais je m'en souviens pas. Oh putain il est là. C'est ça. Alors faut faire gaffe, ça ça nous one shot. Donc là on a l'un des œufs qui me manquait. Et us. Bon je t'avoue que j'ai regardé un speedrun du jeu. J'ai regardé évidemment ma propre vidéo plusieurs fois. Et j'en suis très content d'ailleurs. Mais en vrai le jeu est pas si dur que ça. Bon évidemment il y a des mecs giga forts au jeu. Mince. Dommage. Évidemment je n'en fais pas partie. Mais on va dire que j'ai appris. Ouais quand je regarde la capture du jeu elle est pas de bonne qualité. Hein. Ouais ce poisson il nous fait stresser pour rien alors qu'il vient même pas. Bon alors le prochain œuf, il est pas tout de suite, il sera au niveau du canon. Putain c'est fou là, le fait de relancer le jeu, je suis tellement moins stressé. Enfin, je connais le jeu maintenant, tu vois. Ah, est-ce que j'aurai le temps? Ah, ok. Ouais, tu vois, là, je suis pas mort beaucoup. Je suis juste mort au début, mais pour l'instant, je suis en train de first strike le truc. Ouais, en vrai, quand tu connais le jeu, ça va. Hein. Je pense que juste là, le fait d'avoir fini le jeu une fois, je pense que j'ai déjà le niveau pour finir le jeu, mais avec pas beaucoup de morts. Après, je suis au début. Bon, là, je me souviens à peu près ce qu'il faut faire. Ok, putain mais même ça j'avais galéré la dernière fois. Et là je l'ai eu très rapidement. Alors du coup on aura un œuf ici. Hein. Alors je chope la save. Je crois que je viens de me niquer là. Ah non c'est bon le nuage il respawn. Alors ce qu'il faut faire du coup, c'est... C'était l'un de mes guesses, mais il faut aller derrière ici. Et nous avons un œuf. Merde. Oh non, je suis mort. Est-ce que le son du jeu est trop fort d'ailleurs? Parce que la dernière fois, je le trouvais très peu fort. Donc, je vais monter au moins le son à 4. Mais il n'y a pas moyen d'y aller autrement. Genre par là, là, c'est pas plus simple. Non, on peut pas. Ah là là. Ouais, mais même là, je me fais chier à sauter sur les piliers alors que j'ai même pas besoin. Voilà. Alors... Bon, et ça, par exemple, c'était un passage sur le... Sur mon premier gameplay, où ça laguait énormément. Je sais pas pourquoi, mais les cubes, ils avaient du mal à être rendus sur ma vidéo. J'étais un peu deg de voir ça. Bon, alors du coup, je sais pas du tout si là, j'ai loupé des œufs. Je vais regarder du gameplay. Alors, all eggs... Angry Penguin. Pour voir si je vais les louper. Ah putain merde, le fait d'être en plein écran, là le jeu il voit à travers. Attends, peut-être si je vais sur YouTube.
Angry Penguin, tous les œufs. Alors, il est responsable de deux génocides. Putain, le mec, il a fait... Ah, ok, non, c'est un... C'est quelqu'un qui fait des vues habituellement. Là, j'étais en train de me dire, putain, il tape 100 000 vues sur une vidéo, c'est abusé. Alors, j'ai joué au jeu de l'époque. Mais il n'y a pas un 100% là? Je pense que je vais aller sur speedrun.com pour voir où est-ce qu'ils sont les œufs. Angry Penguin. Alors, ils sont où les œufs? Ça charge. Et c'est long. À la limite, je pourrais faire vraiment du speedrun du jeu. Je pense que c'est la phase de glace et peut-être de la forêt qui vont faire péter un câble. Mais là, la première zone, là, on l'a vu, j'ai eu littéralement aucune difficulté dessus. Hein. Alors, All Eggs. Putain, il y a eu très peu de runs. Bon, alors. Alors là, on a le premier œuf. Ouais, en fait, moi, le souci que j'ai, c'est que je sais pas où ils sont. Là, il va choper le deuxième. Là, il chope le troisième où je suis. Attends, en vrai, je suis un mec sympa. Je vais au moins montrer ce que je regarde. Donc là, à l'instant, il en a pris, hein, du coup. Elle est dans la forêt malicieuse. Là, il y en aura un dans l'arbre. On le connaît. Et après, une fois que t'es monté, je sais pas s'il y en a d'autres. Donc là, il y en a un qu'on a vu. Voilà, juste ici. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais pas du tout où ils sont. Parce que, en vrai, ça me fait chier de refaire le jeu et de les rater, ces œufs. Parce que là, je crois qu'il fait rien de particulier, quoi. Ouais, dès qu'il atteint la zone des bombes. Et c'est après les bombes où je sais qu'il y en a un. Putain, ça me fait chier. Il n'y a pas un guide là pour dire où est-ce qu'ils sont les œufs. Ça... Guide. Ah, putain. Ah, mais ça me fait chier parce que les mecs, ils mettent pas des... Ah, stream 1. Ah, c'est moi. Level, all eggs. S'il te plaît, c'est une vidéo YouTube. Ah, let's go. Vas-y. Je vais mettre en lecture rapide. Ah, vas-y, on va regarder sur YouTube, là. Allez. On regarde sa run un petit peu pour s'imprégner. Alors. Bon, déjà, là, je sais, il n'y a pas besoin de beaucoup bouger. Ah, il fait pas le fish skip. Ah, bah, t'es obligé pour les œufs. Tu es obligé pour les œufs. Ah, et on peut direct passer par là. Du coup, oui, c'est bien possible. Hein. En vrai, là, je me demande si c'est pas plus rentable de crever une fois que t'as pris ce stuff-là. Pour prendre le glitch du... Pour faire le petit glitch du poisson. Parce que là, on est... Là, pour moi, il fait rien, quoi. Ça sert à rien. Je dois ring. Ah, il a une petite couronne, son pingouin. Je crois pas que le mien, il en a une. Je me souviens pas en avoir une. Ah, intéressant, quand c'est sur le bord, tu peux pas te faire toucher par les pics. Vas-y, je vais monter un peu le son quand même. Putain, j'avais tellement galéré ici, alors qu'au final, ça va. Ah oui, j'avoue, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce skip? Ah, c'est beaucoup plus safe de passer par là, intéressant. Ouais, c'est vrai qu'on se rend pas compte où est-ce qu'elles sont les saves. Ouais, ça j'avais vu. Hein. C'est pas la première fois que je le vois, ce petit skip qui te permet de faire en sorte que le canon ne te tire pas dessus derrière. Quoi. Alors,
Donc là, on a le troisième. Derrière, bon, je me permets d'avancer parce que je sais qu'il n'y en a pas. Donc on passe la forêt malicieuse. Là, on prend le quatrième. Voilà, ok. Et ok, l'ascension. L'ascension, je l'ai faite qu'une fois parce que je suis pas mort. Hein, et je suis content hein, parce que l'ascension, elle est très stressante. Mais elle est pas dure non plus. Elle est stressante parce que voilà, notamment ici, tu peux te faire one-shot. Eh, elle est courte en fait, l'ascension. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain! Oh, je l'avais oublié celui-là. Donc là, c'est le cinquième. Le sixième, je sais où il est. Voilà, faut se mettre au-dessus de l'ascenseur. Et voilà, on l'a vu, il est là. L'œuf. Tac. Donc je sais pas, c'était le combienième, je crois que c'était le sixième ça. Et après, là on en a un septième là, je crois que je l'ai pris déjà celui-là. Donc là on est à 7. Donc il en manque... Bah je crois qu'on connaît la position de tous. Le huitième, c'est celui derrière le premier ours. Le neuvième, c'est celui qui se trouve pendant le dragon. Et le dixième, c'est le tout dernier. Donc là, c'est l'huit. Oh, ah ouais, ce skip-là. Ah non, oui, il y en a un ici, c'est vrai. Non, non, il y en a un autre ici. Oui, une fois que tu montes. Ouais, je crois que t'es obligé. Ouais, une fois que t'as chopé la save. Là, tu redescends là-bas pour être tranquille. Voilà, et là. Ah, il a raté. Voilà. Là, il en a chopé un. Et le dernier, il se trouve bah, au niveau du dragon. Ah, il est chiant ce passage, il m'avait bien embêté. Attends, je suis allé un petit peu vite, on n'a pas vu où il était. Voilà, il est pendant que le dragon, il te... Et la cascade, l'avalanche te suit. Et voilà, ça, c'est le dernier œuf. Et après, bah, c'est juste, tu finis le jeu. Alors, comment il bat le dragon, lui, pour voir? Ah, il tue le dragon. T'es pas obligé de le tuer, le dragon. Putain, il arrive pas à faire tomber cette planche. Une fois que t'as buté le dragon, tu prends l'œuf, puis basta. Spoilapapouap. Eh ben nickel. Eh ben écoutez, ça y est, nous avons toutes les informations. Donc là, j'ai 6 œufs. Donc ce qui me... J'avais totalement oublié celui-là. Ouais, ce qu'il faudrait faire, c'est que quand je sais que je suis mort, échappe, mourir. On peut se suicider. Mais comment je suis censé survivre ici? Si je cours, je meurs? Ah oui. Comment? Parce que ça, je m'étais fait avoir pendant mon let's play. Je sais pas comment je suis censé survivre ici. C'est quoi? Faut que je saute, c'est tout? Ah oui. Faut que je saute au bout de la planche. Oh, bonsoir! El retour del pingouin! Et oui, un speedrun en cours. Eh bah, pas pour l'instant. Mais en vrai, je me dis que pourquoi pas, parce que le jeu n'est pas non plus si difficile que ça. Donc, PKP. Drawing. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Là, on va avoir les branches qui vont se lever. J'ai vu que je pouvais aller là. Là, il y a... Non, mais fils de pute. Non mais je savais qu'elles y étaient ces trucs, mais je savais pas à partir de quand. Ok, le repère c'est ce champignon. Oula.
Ouf. Bon là, va falloir réagir pour sauter à gauche. En vrai, ce passage, il paraît très stressant, mais en réalité, il est très donné, quoi. Il est très très donné, ce passage. T'as juste besoin de sauter sur le nuage et les champignons, et c'est bon. Le jdong, faut le rajouter dans le soundboard. Ah, je pense que je vais le rajouter, ouais. Bon, ça me paraît bien, là. Bon, alors, cette phase-là, je l'ai faite qu'une fois, parce que je suis pas mort dedans. Ouf. Alors. Ah, ça paraît lent, là. Oh. Putain, c'est my bad. Ça me paraissait tellement lent. Bon, bah, je suis mort. Y'a pas moyen... Ah si, je suis sûr, il y a moyen de choper directement l'autre planche. Bon, je vais pas tenter, hein. Oh! Ah, dommage. Ah ouais, donc même si on rate la deuxième planche, ça peut passer. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien, je perds du time. Ouais, j'aime pas trop la forêt. Bon, pourquoi je me suis fait avoir ici, là? Oh putain, ah, faut pas coller, hein. Faut pas coller. Donc ouais, non, déjà, je te dirais, l'objectif numéro 1, c'est de faire le plus de success team possible. Notamment celui du 100% des œufs. Après, j'ai vu qu'il y avait un autre succès qui était simple à voir, c'était de crever 150 fois. Un autre, c'est de rage quitte le jeu. Donc pareil, celui-là, je serais chaud de le faire. On rage quitte le jeu, ça devrait aller, hein. Ça me paraît assez facile. Et là, je crois qu'on a une save. Non! Non, jure! J'ai sauté trop loin. Oh. Après, il y a le mode normal. On peut se dire que je pourrais le faire ce soir si je me chauffe. Finir le mode normal. En vrai, je pense que ça devrait aller. Bah, vu que t'as une save permanente par zone... En fait, c'est vraiment le fait qu'il y ait une save permanente, ça simplifie de fou le truc. Hein. Ouais, c'est ce que j'avais vu, tu peux rester dans les airs, ça passe. Enfin, t'es pas obligé de tempo sur la planche. Et là, on a le dernier obstacle avant la save. Et là, on va avoir un œuf ici, du coup. Ok. Et déjà, je me suis amélioré. 11 000... Putain, elles servent à ça, les bombes. Oh, putain. C'est pour ça qu'il y a des bombes ici. C'est pour débloquer cet œuf. Ah, mais c'est pour ça que dans mon gameplay normal, je l'ai jamais vu, cet œuf. C'est parce qu'en fait, fallait le débloquer. Eh non, n'empêche, je me dis, en 11 minutes, je suis déjà ici, je me suis beaucoup amélioré. Hein. Bon, alors, ce passage-là qui était assez cauchemardesque pour moi. Alors, faut spawn ici, du coup. La première, elle est là. La deuxième, elle est aussi au milieu. Merde. Ah, putain, dommage. Ah, mais le problème, c'est que je sais plus ce qu'il faut faire ici. Ouais, ce passage-là, en fait, si tu sais pas exactement comment le gérer, c'est dur. Écoute, on verra. Hein. On verra. Ouais, là, c'est un moment où j'ai paniqué. Il y en a une qui était là et j'ai paniqué.
Ok. Nickel. Allez, hop. Je sais pas à combien de try j'ai dû mettre sur ça. Donc on chope cette save là. C'est une save perma, non? Non, pas encore. Là, on prend ça. Lui, il descend. Nous, on remonte dessus. Là, j'ai combien? J'ai 7 œufs. Putain, j'en ai loupé un, je crois. Parce que là, on a un œuf ici. Drawing. Ok. Ah, il me manque lesquels, là? Ah oui. En vrai, tu te dis ce passage, ça va, il est pas si dur que ça. Hein. Parce que... Oula. Le mont final. 13 minutes, hein. Alors, il y a un œuf en haut, là. Mais je crois que je l'ai pris, celui-là. Hein. Ouais. Putain, mais c'est lesquels qui me manquent? Je vois pas du tout c'est quoi ce qui me manque. Il y en a un après les requins. Ah bah si, les deux qui manquent, il y en a un après les requins. Il m'en manque un qui est juste après les requins. Et l'autre, il est avec le dragon. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas de save ici. Bah, en même temps, c'est simple, mais le problème, c'est que c'est long. Alors, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'étais passé au-dessus de cette barrière, mais on peut faire un tout droit ici. Ah ouais. Et maintenant, on a les ours. Et là, j'ai vu ici qu'on pouvait sauter au milieu. Et que même là, ce qu'on pouvait se permettre, c'était de prendre la save. Parce que l'ours, il despawn. Ouais. Donc là, on a un ours ici. Bon, lui, tu le fais sortir. Là, normalement, on a un œuf ici. Ah. Ah mais du coup, je suis obligé d'attendre qu'il respawn aussi. Ah, j'imagine c'est qu'il n'y a qu'une seule instance de l'ours. Tu veux être avec un ours ou pas Ah putain, ça glisse ici, je savais même pas. Ouais bon, pour pas se faire chier l'ours... Voilà. Quoi? Il me tue comment? Ouais bon, le mieux c'est de fuir l'ours. Hein. Ah, fermé. Putain, mais je suis mort comment? Ouais, bah, en fait, il y a moyen de skip ce passage-là. Genre, ces haches-là, on n'est pas obligé de se les faire. Mince. On n'est pas obligé de faire ces haches-là. Oh, coucou! Bonsoir! Wiro! Je dois sauver Kotom, je me mets en lurk. Elles sont rapides ces haches quand même. Ah, nique sa mère, putain. Ah, j'avais pas vu la celle de derrière. Oh putain. Putain, comme dans le let's play de base, dans ma première run où je me prenais l'âge sur le... pendant qu'elle part. Ah ouais, mais là, ce qu'il faut faire, c'est dès que je suis à gauche, je vais à droite, en fait. Ah non? Putain, ils vont pas à la même vitesse, les haches, je croyais. Ah, c'est vrai que je suis beaucoup plus concentré sur une, mais... Ok.
Bon, et là, ouais, c'est là où deux choix s'offrent à moi. Soit je fais le giga skip, soit j'y vais tranquille, mais c'est un peu long. Merde. Ah oh, putain, tu te fous de ma gueule. Le marteau était tellement plus gros que ce que je pensais. Ah mais ça, c'est des passages que j'ai peu fait, du coup je sais pas comment les gérer. Ok. Donc là, tout droit. Allez. Et donc là, ce que je peux faire normalement, c'est me laisser tomber à gauche, mais j'ose pas. Je préfère y aller tranquillou. Parce que je connais pas ce truc. Parce que là, ce qu'on peut faire, en fait, c'est se laisser tomber d'en haut pour directement atterrir ici. Ok. Bon, en vrai, 18 minutes pour les requins, c'est pas mal, déjà. Putain, j'ai cru qu'il allait me toucher. Bon, ok. Tac. Bon, ça, c'est un passage que je déteste. Bon, déjà, on va choper la save et après, on chopera l'œuf. Ouais, ça, faut que ça revienne. Hein. Pour savoir comment bien gérer les caisses. Putain, elles sont énormes. J'ai l'impression qu'elles ont été agrandies. Paf. Ah, 20 morts quand même. Hein. Non. Normalement, je peux me sauver. Ouais. J'ai vu la caisse. Je pensais que je pouvais la prendre, mais non, c'était une mauvaise idée. Ouais, même là. Hein. Je vais attendre. Non, bah, je vais éviter de mourir bêtement quand même. Et encore, je te dirais que ça va parce que ici on peut survivre. Tu te fous de ma gueule? Oh merde, putain! J'avais oublié qu'ici on pouvait pas. Sur cette barrière-là, on ne peut pas sauter. Bon, au moins les requins, on va dire, j'ai bien compris comment passer le truc, mais bon. Ouais, c'est frustrant de le refaire. Mon cerveau a cru entendre 20 noirs au lieu de 20 morts. Ah là là. Ah, j'aurais pas dû, j'ai hésité. Misère. Ah là là. Encore le passage sur lequel j'ai passé le plus de temps, ça sera lui. Avec papa les requins. Putain, j'ai vu que ma sœur maintenant elle regarde Joyka et des youtubeurs, elle connaît Joyka et le délire de papa, je peux me baigner avec le requin. Et putain, et quand elle était chez moi là, ce week-end, elle a fait ça et du coup maintenant mes parents sont au courant de pourquoi je fais cette voix de temps en temps. Papa, je... Oh, je peux aller me baigner avec le requin. Bref. Voili voilou. Bon, en vrai, si je devais speedrun le jeu, je sais pas combien j'essaierais de viser. Je me dis sub 20, ça peut être bien. Et je pense qu'en vrai, j'ai déjà le level pour faire un sub 20. Ouais, est-ce que... Ouais, elle est stressante cette caisse, parce que si t'oses pas y aller, tu perds... Tu perds quoi? Tu perds 10 secondes presque. Par contre, je me suis fait avoir en sautant avant parce que je pensais que le pingouin il restait stock sur... Enfin, depuis là où il saute.
Mais non, en fait, avec tes touches, faut quand même suivre un petit peu la caisse sur laquelle t'es. Tu peux pas juste sauter. Oh non. Ok. Ok, let's go. Allez. Ouais, l'œuf bleu, il est là-bas. Putain, c'est fou que je l'ai pas vu quand même la dernière fois. Bon, cette caisse, je me souviens à peu près quand faut sauter. Alors, faut que... Ah ouais, putain, elle est vraiment juste devant toi. Allez, let's go. Alors, maintenant... On peut pas y aller depuis ici? Peut-être que je peux y aller depuis en haut pour choper cet œuf. Mince. Parce que je sais que depuis ici, on peut aller là. Et après. Il est où le machin là sur lequel je dois sauter? Ah! Oh, j'avais oublié qu'il y avait des murs invisibles ici. Ah oui, merci. Et là... Bah là, c'est pile en dessous. On peut y aller normalement tranquillou. Bah voilà. Mourir. Ah, ouf. Mais oui, c'est plus rapide de passer normalement. Eh ben écoutez, on est à 25 minutes. Est-ce que je vais choper le... Est-ce que je vais choper les 30 minutes? Il y a moyen, mais bon, le problème c'est que le dragon... J'ai pas eu trop l'occasion de le faire. Mais déjà, je me dis, c'est une belle perf, je me suis bien amélioré depuis la dernière fois. Je sais plus, j'ai fait 1h10, je crois, la dernière fois. Je me dis que c'est clean quand même, c'est une belle amélioration. Paf! Alors, qu'est-ce qu'il y a comme danger ici? Oh putain. Ah, fait chier. Ouais, c'est mort. C'est mort. Ah, j'avais oublié. Mais je le voyais pas! Ça avait pas spawn! J'étais en train de me dire, c'est bizarre là, il me semblait qu'il y avait quelque chose. Bah oui. Oui, oui, il y a bien un truc. Il y a les lames de rasoir. Avec l'avalanche qui est en train de revenir en arrière, du coup. Ah, c'est con. Oh, putain, juste cette mort-là, elle me fait perdre quasiment une minute. Oh, le dragon! Il est où le dragon, là-dedans? Ouais, j'ai pas eu de chance aussi au niveau de la... du rythme des trucs. Parce que du coup, je suis obligé d'attendre. Ouais, là, il est bien, le rythme. Et là, on a l'œuf qui me manquait. Le fameux. Eh ben, c'est bien tout ça. Et de 10. Putain, je l'ai réussi très vite ce passage. Bah, je l'ai réussi au deuxième coup. Et alors là, c'est un endroit qui m'avait stressé de fou la dernière fois. Hein. Alors qu'en vrai, il est pas, c'est pas dur ça. Mais c'est extrêmement stress. Ah, putain, je pensais que je passais. C'est très stressant, mais c'est pas dur. Ah, ah nickel. Ah, j'ai une alarme qui sonne. Ah putain. Ah là j'ai pas eu de chance. Parce que ce que je voulais faire c'est sauter sur la dernière. Sur l'avant-dernière planche pour choper justement la dernière.
Oh putain, il a pas sauté. Ah. Putain, c'est chiant, c'est pas... C'est pas dur. Ah merde. Ouais, tu vois, il suffit juste de faire ça. En fait, je crois que dans ma tête avant, dès que le cercle était sur moi, je crevais, mais non, en fait, pas du tout. Ouais. Je crois que sur cette planche, est-ce que... Ouais, je crois que je peux directement choper le bord. Putain, ça me fait vraiment chier de mourir, mais... Ce passage-là, je sais pas comment le gérer. En fait, c'est vraiment les planches. Il saute pas. Je vais pleurer. Putain, j'étais tellement content de ce que j'étais en train de produire. Et regarde ce qui se passe. Misère. Oh voilà, c'est mort. Pas que. Ah, mais je suis trop con, j'ai sauté trop tôt. Ça me rend fou. Ouais, le mode normal, c'est pas pour ce soir. Hein. Oh, quoique. Ouais, le problème, c'est que je meurs trop bêtement ici. Tant que je comprends pas comment gérer ces planches. Franchement, c'est pas dur, hein. Mais juste les planches. Ouais, non, bah là, tiens. C'est mort, hein. Les planches, elles se pètent sous mes pieds à chaque fois. En fait, c'est vraiment... Faut que j'arrive à trouver ce rythme à la con. Mais j'arrive pas à l'avoir. Allez. Alors là, on a un petit skip à faire. Tac. Et là, normalement, si tout va bien... Let's go. Voilà. Et après, bon, on peut y aller tranquillement, ne pas prendre de risques, et on finit ici. Ah! Moi, j'ai appris des speedrunners. Eh, 30 minutes hein, clean, quand même. Combien? 30-47, à peu près. 39. Oh non, tu n'es pas en mode normal. Mais j'ai sauvé tous les œufs. Tu as raté quelques œufs où tu es en mode facile. Tu ne peux pas ramasser le gros pour le moment. Putain, mais du coup, je n'ai même pas vu la fin de la run. Alors, qu'est-ce qui me manque? Reviens ici quand tu les auras tous récupérés. Ah, je croyais que c'était ceux qui me manquaient, mais non, je les ai déjà tous. Mais question, du coup, est-ce qu'en normal, tu dois tous les re-ramasser ou pas? Je ne sais pas. Et bah voilà. Et bah du coup... Ah, multijoueur! En mode normal, on n'est pas obligé de les re-récupérer. Bah écoutez, autant tester le mode normal à la limite. J'ai dit que c'était pas pour aujourd'hui, mais finalement... Bon, et c'est parti pour une run en mode normal, sachant que je ne suis absolument pas entraîné. Genre le skip du poisson, j'aurais bien aimé le connaître, typiquement. Mais bon, c'est pas grave. Après, je peux le tenter, hein, qui ne tente rien à rien. Après, le problème, là, c'est que j'ai pas de save. Là, je suis en mode normal, hein, donc les saves... Là, elles sont pas sympatoches, les saves. Donc, autant ne pas prendre de risques. On joue au jeu normal. Et on verra. Qui sait, je ne mourrai peut-être pas. Putain, en vrai, le fait de me dire que là, je crève, je retourne aux saves précédentes, ça va m'énerver, hein.
Ok. Ok. C'est bien déjà. Pour l'instant, petit Tiplouf est devenu grand, il a une petite couronne. Ah bah là, il est prêt à... Là, il est prêt à conquérir le monde. C'est bien, c'est bien. Là, je vais attendre qu'il tire une première fois. Je sais que j'aurais pu y aller, mais bon, je veux pas prendre de risques. Ok. J'ai pas envie de tenter ce saut-là parce que je l'ai jamais fait pour l'instant. Eh, hey, zéro mort. Eh, c'est pas mal. Paf, zéro mort ici. Bon, j'ai failli y passer, mais... Ah oui, attends, là... Donc là, c'est quoi? C'est qu'il faut que je saute quand je suis au bout, c'est ça? Ok, let's go. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a les cailloux. J'ai aucune idée si ces cailloux, ils nous tuent. Je me suis jamais fait toucher, donc je pourrais pas le dire. J'imagine que oui. Mais attends, ils sont tout le temps autant collés ? Ouais. Alors là, pour l'instant, on est tranquille. Mais je sens c'est sûr, je vais crever, évidemment, mais ça va être une mort débile. Genre, typiquement, ici, tu vois, je pourrais crever. On se prépare. Bon, au moins c'est bien, en mode normal, t'es pas obligé de re-récupérer les œufs. Bam 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 bam. Ah, marche. Est-ce que tu peux m'apporter mon donut sucré? Et rire. Bon alors. Je suis mort ici. Putain, j'ai eu un coup de lag. Ok. J'étais si bien. J'ai eu la même mort débile que tout à l'heure. Oh, je suis dégoûté. C'est vraiment une mort de merde en plus. C'est juste, j'ai sauté trop loin. C'est tout. Mais trop loin alors que c'était juste à côté, tu vois. Genre, ça rend fou. Oh putain, je suis trop dégueu.
Putain, mais comment j'ai fait mon coup? Ouais, je sais pas, là, peut-être une histoire de perspective. Pourtant, j'estime avoir la physique du pingouin maintenant. Oh putain, ça veut dire en mode normal, quand tu crèves ici, tu dois tout te retaper. Enfin, tu dois te retaper la montée de l'arbre en entier. Quel enfer. Ouais, donc ici, faut pas que je me rate. Mais je me souviens pas forcément bien de l'ordre. Mais bon, le fait d'avoir fait le jeu au moins une fois, ça va m'aider. Non ! Ok, là, je crois que je suis bien. Non. Ah, putain, j'aurais dû la péter, celle du milieu. Donc ça, ça veut dire que cette save, elle est morte. Ah, ok, au moins, il nous ramène là. Ah, putain, ouais, j'ai fait exactement la même erreur que tout à l'heure. Misère. Ah, mais c'est... Je connais pas l'ordre, hein. Quand tu connais pas l'ordre parfaitement. Non. Qui m'a tué? Oh, non, mais mec, tu... Je respawn là, c'est une blague. Ah bah oui, le fait d'être mort. Oh là là, mais quel truc de merde. Mais attends, mais c'est horrible qu'il me ramène aussi loin. Oh là 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 là, putain, ça fait chier. Mais ça veut dire que ma toute première mort dans cette run, elle est vraiment horrible. Parce que j'ai perdu mon respawn là. Bon, après ça va parce que bon, ce passage là est facile, mais bon. Ah, je suis trop deck pour les bombes, putain. Non, là ce qui m'énerve avec les bombes quand même, c'est... Ce qui m'a tué. Ouais, c'est pour ça. Si je devais speedrun le jeu, là je fais une run en normal, tu vois, parce que j'ai le niveau pour le faire. Mais si je devais speedrun le jeu, je le ferais jamais en normal, hein. Je le ferais qu'en mode facile. Parce qu'en fait, en mode normal, le problème c'est que moi ça me tilte de fou. Et là je commence à être vraiment énervé déjà. Alors que je suis pas mort tant que ça, tu vois. Je suis mort 3 fois, mais j'ai une mort débile. Et malheureusement, j'en ai une de panique sur les bombes. Et la deuxième, j'ai pas eu de chance parce que la bombe, elle s'est coincée dans le spawner. Et j'aurais pas dû crever normalement. J'ai juste pas eu de chance. Ouais, je pensais que là, j'avais pas le rythme. Ah, c'est ce champignon-là, la perspective, elle peut t'avoir, hein. Bon allez, au moins on est revenu ici safe. Ouais, ça met 1 minute 30 à revenir ici. Hein. Sans mourir, 1 minute 30. Bon, le succès de finir sans crever, c'est ciao ça. À la limite, ça tu l'obtiens en faisant du speedrun en mode simple. Il y a bien un moment où t'as une run où tu meurs pas, tu vois. J'étais arrivé. Oh. C'est horrible là. Putain, je pensais que c'était bon. Mais le problème, c'est qu'à la fin, en fait, je sais pas ce que je dois faire. À la toute fin, je sais pas comment survivre. Ok.
Et au pire, cette run, je la posterai. Hein. Allez. Allez. 12 minutes, le mon final. Je crois que le speedrun, là, le top 1 mondial, je crois il a fini, là, déjà. Moi, je suis content. Déjà, en 12 minutes, on est là. Je me suis encore amélioré hein, par rapport à ma run easy. Ma run easy, là, je sais pas, j'avais combien de morts. Et là, j'en ai que 4. Hein. J'en ai que 4, et en plus, je suis mort et j'ai dû revenir loin. Squeezie. Moi je dis il faudrait une run Q, une Q pour 100. J'ai pas la musique. Bon alors. Oh papa. Papa le loup. Ah le loup. Papa l'ours plutôt. Bon, lui je vais pas prendre de risque. On va le tuer. Voilà. Et là, bah, je vais me presser. Hein. Juste lui on le fait sortir. Mais après, tous les autres ours, faut rusher. Ok. Bon. Allez. Ok. J'ai raté le rythme. J'ai raté le rythme. Oula ! Attends, les requins, ils se sont pris entre eux, là. Attends, ça m'a perturbé de fou. Non. Ah putain, je sais pas quand y aller, c'est horrible. En plus, ça lag. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
Putain, j'avais tellement peur de me prendre les marteaux. Ouais, en fait, ce qui m'a niqué, c'est que je me suis arrêté sur le pont. Il faut pas s'arrêter sur ce pont. C'est vraiment ça qui m'a niqué. Ouais, vraiment, le mode normal, c'est la seule fois que je le lance. Hein. C'est la seule fois. Ouais, c'est pas la plus dure celle-là. Ok, les requins, c'est fini. Ah. C'est fini les requins. Ah putain, là j'ai un poids là qui vient de me... Oh putain, mon cœur. Ah là, j'ai vraiment un poids qui vient de lâcher. Hein. C'est horrible, vraiment. Ces requins-là, je les déteste, mais à un point. Bon, bah maintenant, le truc qui va beaucoup me tilter, bah, ça va être les boules de feu et les planches. Que je ne sais pas comment gérer. Ça va être chaud là. Ouais, ça a l'air d'aller. Ok, let's go. Y'a une save ou pas après? Yes. Bon. C'est la dernière ça normalement. Ok. Mais pourquoi? Oh, je suis dégoûté. Oh, j'avais réussi du premier coup à faire ça. Oh, j'avais réussi du premier coup, putain. Vraiment, le passage où il tire vite, il est vraiment plus simple, quoi. Ah, merde. Oh, bah là, mon rythme est... Ah non, c'est bon. Ça m'énerve. Ça m'énerve, mais c'est la dernière fois. Et je suis déjà ici en soi.
Non mais c'est bon en vrai, hein. C'est que la troisième fois que je joue au jeu en soi. Là ça va être ma troisième run que je termine. La première c'était la toute première découverte, la deuxième c'était tout à l'heure pour choper 100% des œufs. Et là ma troisième run c'est celle-là. Ça va hein, quand même. Hein. Je suis bien. J'ai 8 morts alors que j'ai dû me retaper les moments sur lesquels je crève le plus habituellement. Là, ça va être compliqué. Ouais, ouais je le sentais, j'ai paniqué. J'avais un rythme de merde. Non, mais là, je me suis trop déconcentré. Le fait d'avoir passé les requins, j'ai senti que je me suis déconcentré. Après, là, j'ai pas eu de chance. Hein. J'ai eu deux morts malchanceuses, honnêtement. Les deux morts que j'ai eues, là... J'en ai eu deux. Vraiment pas de chance du tout, pour le coup. Juste avant, là, en simple, quand j'ai fini le jeu, je l'ai fini en combien? En 30 minutes, à peu près? Je sais pas. Là, tu vois, je me dis, si je fais sub 30, moi je suis content. Je suis content, je cherche pas mieux. Moi, je voulais juste finir le mode normal, à la base. Si je peux avoir un bon temps, moi, je prends, tu vois. Bon, heureusement qu'il y a des saves permanentes, quand même, hein. Ouais, là ça va être un peu compliqué, je pense. Ok, non, c'est bon. Je me demande si ce caillou-là, il peut nous tuer, je pense pas. Oh! Bah... Mais pourquoi cette save, elle est pas redevenue rouge? En plus, moi, je prends un risque, là. Ça va. Mais c'est dégueulasse! Pourquoi cette save, je l'ai pas récupérée? Par contre, monsieur Lopoc, les saves, faut nous les rendre à la base, non? Là, c'est dégueulasse. Je suis victime. Bah là, ce qui me fait chier, c'est que je dois me retaper cette phase-là. Donc je dois me taper, allez, 45 secondes de phase. Alors que j'aurais dû choper ma save. Comment ça se fait que je l'ai pas récup? Bon, déjà, sois content, n'a pas besoin de trop taper les requins. S'il faut se retaper que le dragon, à la limite, ça va. Ouais. Ça va que ce soit que ça. Ah ouais, mais putain, il me la rentre pas cette save. Hein. Ah, fait chier. Ah non, c'est bien bugué ça. Là, c'est clairement pas normal. Hein. Ouais, le problème, c'est que je sais toujours pas comment gérer les planches. Là, le rythme est... Mais je suis trop con! Mais putain de merde! J'ai mis mon putain de droit là, de dé. Je suis allé vers la droite. Et du coup, ça m'a niqué parce qu'en sautant, ça m'a fait... Oups! Ah putain, je l'avais! J'ai peut-être compris comment je dois gérer les planches, mais c'est de la chatte. Je peux pas le maîtriser. Genre, j'ai pas l'occasion de le tryhard assez. Je peux pas assez tryhard ces planches de merde. Ah, ça me rend fou. Ces planches-là, c'est vraiment le dernier obstacle. Dès que je passe ces planches, normalement, c'est bon. Mais juste ces foutues planches de merde, parce que sur le peu de fois où j'ai pu avoir l'occasion d'y être, je n'ai jamais compris comment je devais les gérer. Ah non, mais là, ça commence vraiment à m'énerver, quoi.
Parce que là, ça fait plusieurs fois. La moitié de mes morts, pour l'instant, c'est à cause des planches. Enfin, ou à cause de cette dernière zone. J'attends un peu. Ah, et le truc aussi qui m'énerve, c'est que cette save-là, je ne la récupère pas. Peut-être que... Ah non, j'allais dire peut-être que si je me suicide, je vais la récup, mais je pense pas. Merde, il peut me tirer d'ici. Elle est même pas... Oh putain, c'est parce qu'il y a une petite boutique box de merde. Une toute petite qui est dessus. Ah, fait chier. Oh, c'est vraiment de la merde ces planches. Hein. Ah, si je devais faire un top des trucs que je déteste le plus vraiment sur cette run, les requins, je pense qu'ils sont top 2 facilement. Les bombes, je les mettrais top 3 parce qu'en vrai, ça se gère, mais les requins, c'est... En fait, si tu one-shot pas les requins, tu peux pas les passer. Genre là, à un moment, bah, tout à l'heure, on l'a vu, j'étais bloqué sur le pont. Et... Mais en fait, à ce moment-là, c'était niqué. J'étais obligé de crever parce que le rythme était totalement niqué. Mais le top 1, c'est de très très loin ces planches. Hein. Ces planches-là, quand tu sais pas les gérer, elles rendent fous. Hein. Enfin, surtout, ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est le dernier obstacle. C'est vraiment la dernière chose qui me pose problème. Mais si j'arrive à la corriger ou à comprendre, problème réglé quoi. Et le truc aussi qui me pète les couilles, mais c'est cette merde là, pourquoi la save elle marche pas? Vous allez pas me croire si je vous dis que, vu que le jeu lag, je me suis dit... Enfin, ma tête s'est dit, ah, mais il va y avoir un lag. Du coup, faut attendre. Mais que mes touches, mes doigts se sont dit, bah, c'est bon. Mais là, si je viens de crever à cause d'une nuque, c'est... Là, c'est que j'ai atteint un point où, d'énervement trop élevé. Enfin, vraiment, ce qui me fait chier, c'est... Bon, honnêtement, là, j'aurais rush kit. S'il n'y avait pas eu de save permanente pour le dragon, là, j'aurais rush kit, honnêtement. Parce que là, c'est vraiment de l'injustice dont je suis victime, à cause des planches et de la save qui ne marche pas. Franchement, ça irait, hein, si la save marchait. Parce que ce qui me tilte de fou, c'est que je dois me retaper... Je dois me retaper genre 45 secondes de ça parce que la save ne marche pas. Ah merde, je crois que j'y suis allé trop tard. Bon, je tente. Non, c'est bon. Non. Mais... Elle est... Putain de casse-couille, cette hitbox de nuque à la con. Elle est toute ronde. L'hitbox, elle te touche à 1 mm ta planche à la con. Ça ne passe pas. Ça ne devrait pas passer, mais ça passe, évidemment, parce qu'on est sur un jeu. Et que les hitbox, au millimètre près, au pixel près, eh ben, ça compte comme si c'était touché. Alors que dans la vraie vie... Ça ne marcherait pas. Dans un jeu bien fait, ça ne marcherait pas. Mais bon. Après, faut partir du principe que là, je suis très énervé, donc je ne vais pas être rationnel. Mais là, ça me fait chier. J'étais tellement bien. Je suis mort tellement bêtement. Et là, ça fait plus de 10 minutes que je suis ici. Parce que je ne comprends pas les planches et parce que la save ne marche pas. Cette save-là, elle ne marche pas.
putain, ça respawn. Non. Allez! Oh putain, enfin, enfin, je suis ici. Allez. J'avais tellement pas pensé à ça. La plate... Mais pourquoi ce mur tournant de merde? Il traverse la grille. Comment je m'y attends à ça? Ah, j'avais enfin réussi. J'avais enfin réussi. Oh, putain, je pensais pas que ça ferait ça. C'est vraiment quand je l'ai vu et j'ai sauté, j'ai su ce qu'allait se passer. Mais c'est arrivé trop vite. Enfin, j'étais pas obligé de crever, mais ça m'a tellement pris au dépourvu, j'étais obligé d'y passer. Ah putain, là il y a un rythme de merde, donc je risque de crever à cause de l'avalanche. Ah, tu vois, ça m'énerve vraiment de refaire cette phase-là. Au pire, tu dis, si je veux speedrun le jeu, cette phase-là, je la maîtriserai, mais bon. Ah, ça m'embête, hein, vraiment, de la refaire en boucle, là, comme ça. Parce qu'elle est pas dure, hein, la phase précédente, là, elle est pas dure. Hein. Mais c'est celle-là, le problème. C'est vraiment elle, le souci. Allez. Oh putain. Putain de sa mère. Je vais enfin voir ce qu'il y a dans cet œuf. Il y a plein d'œufs. Il y a une couronne. Mais j'ai déjà une couronne sur moi. Oui. J'ai fait ça pour... Pour ça ? J'ai fait ça pour avoir une couronne que j'ai déjà? C'est une blague? Ah putain. Tu vas pas me dire que c'est la même? Est-ce que c'est la même? J'ai un doute si c'est la même. Mais mec, mais tu te fous de ma gueule, tout ça pour ça. Ah, je suis dégoûté. Oh putain. Oh, j'en pouvais tellement plus. Oh, j'étais à bout. Oh, ma tête, la pression elle retombe là, je le sens. Bonsoir Silvercrow, je suis désolé, j'étais concentré. Bon. Voyons le bon côté des choses. J'ai une run à présenter. Ah mais putain. Ah, c'est horrible.
Ah, plus jamais le mode normal. Hein. Oh, le fait de pas avoir de save. Oh, oh j'en pouvais plus là. Je commençais vraiment en avoir marre. J'ai vu TKT. Ouais, non, bon, bref. Bon, vraie question, comment allez-vous sinon? Ah putain, j'ai tapé Angry Speedrun sur speedrun.com. Angry Penguin. Bon, on va regarder ma run normale, où est-ce qu'elle me positionnerait? Même ma run facile. Bon, ma run facile, déjà, elle me positionnerait avant-dernier. Il n'y a pas d'any pourcent facile. En normal, pardon. Il n'y a pas d'any pourcent normal. Mais tu te fous de ma gueule, mais pourquoi? Il n'y a pas d'any pourcent normal on any difficulty. Mais tu te fous de ma gueule, c'est bien plus difficile en normal qu'en facile. En facile, tu crèves, tu perds 15 secondes. En normal, tu perds une minute. Oh la vanne. Ah ouais, 9 minutes le speedrun. Oh. Fatigué, et toi? Bah écoute, ça allait, mais là, ça m'a pompé de mon énergie. Hein. Oh. Non, mais par contre, je suis dégoûté. Le speedrun du mode normal n'existe pas. Mais là, faut séparer le any% easy et normal. Là, faut les séparer. Ah là, je sais pas si j'aurai l'énergie pour le faire. Peut-être pas ce soir, peut-être une autre fois, mais là... Eh, franchement, moi, ça me suffit. Hein. À la limite, on peut chercher les success teams. Il m'en manque deux. Attends, non, il m'en manque trois, pardon. Bon, il y en a un, c'est finir le jeu sans crever, ça, c'est même pas la peine. Il y en a une, c'est de rage quitte le jeu. Et une autre, c'est de crever 150 fois. Je suis mort combien de fois? Faut que je crève 25 fois encore. Bon, vous savez quoi? On va juste faire les... Je vais juste me suicider. Ah, juste avant ça, il y a le... Alors. Hop. J'ai juste envie de tenter le fish skip. Ah, est-ce que là, je me suis raté? Ah, y a des petits skips à droite à gauche. Hein. Je peux gagner un petit peu de temps. Alors moi, j'ai envie de tenter le poisson. Bon, n'empêche, je suis content de ma performance en mode normal. Parce que j'ai first try la plage. La plage, je ne suis pas mort. Une seule fois. Alors, ici. Ouais, vous avez vu ce que je viens de faire, là? Le skip de dingue que je viens de faire? Eh, j'ai first try quand même. Bon, en vrai, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin? Moi, je voulais juste tenter ce fish skip, mais je l'ai first try. Paf! Et ben voilà. Rage quitte le jeu. Ah ouais, non, mais moi, je vais faire ça. Bon, du coup, faut que je crève 25 fois. Ouais, écoute, avec plaisir. Hein. Et après, on fera le truc de fin de jeu. Faudra que je récupère sur la rediffusion le moment où je termine le jeu. En mode normal. Parce que je suis sûr, il y a peu de gameplay ou quoi sur YouTube qui montre la fin du jeu. Ah là là. Non mais c'est bien, j'ai gagné. Hein. Bah écoutez, je sais pas, il est quelle heure? Il est minuit 16. Je vais peut-être faire du top OP of all time, je sais pas. Je ne sais pas trop quoi faire après. Non mais Angry Penguin, c'est bon là. Je te dirais, moi le jeu, je le verrai sur speedrun.com. Je m'en fous d'être avant-dernier. Je m'en fous. Moi ma run, c'est une run normale. C'est pas une run easy. Vraiment, si ma run était easy, j'aurais quand même été avant-dernier du classement, je pense. Parce que j'aurais fini le jeu en 20 minutes. Mais j'aurais fait le jeu 12 minutes plus rapidement. Parce que j'ai perdu beaucoup de temps à cause des requins. À cause des requins et
et de ces planches à la con. J'ose le dire, mais j'ai perdu tellement de temps. Bon allez, paf. Allez, plus qu'une mort et j'ai le success team. Normalement. Bon, je devrais l'avoir là, non? On n'est pas censé avoir un bruit quand on fait des success team. Ah, ça y est, die 150 fois, let's go. Et ben maintenant, il ne me reste plus qu'à rage quitte le jeu. Rage quit the game, let's go. Et ben voilà. Attends, je vais rester sur cette scène là pour le short. C'est officiel, j'ai 100% une gripping win. Voilà, j'ai speedrun en mode normal, j'ai tous les succès, sauf celui où faut jamais mourir, mais ça on va rien dire. Let's go, j'ai 100% le jeu, et je le désinstalle. Bon. Ah bon, allez, je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'être retourné sur le jeu. Mais comme quoi, le simple fait d'avoir regardé deux speedruns, d'avoir fait le jeu une fois en mode facile, et d'avoir monté la vidéo et d'avoir revu mon gameplay, enfin ma propre vidéo, et ben au final ça m'a largement suffi pour appréhender le jeu. Le jeu n'est pas dur, hein, comme il l'avait dit Lopoc, dans le game des jeux de rage, il est facile. Mais il y a des trucs giga frustrants, mais j'imagine que c'est le cas de tous les jeux de rage. Putain, j'ai le OK. Ah mais là j'étais à bout, hein. Ça se voit avec mes cheveux, là. Ah là, mais je ne me pouvais plus. Oh mais putain. Laissez-moi. From angry penguin to nice penguin. Oh putain. Non mais c'est bien, c'est fini au moins. Allez, angry penguin speedrun. Speedrun. J'ai speedrun Angry Penguin, le jeu de l'Opoc. Voilà, pour le... ça c'est pour les shorts. Hein. Et après c'est fin 100%. J'ai 100% Angry Penguin, le jeu de l'Opoc. Ça c'est des shorts qui fonctionneront, je sais. Donc voilà, regarde une vidéo d'horreur. Ah, à la limite, ce qu'on peut faire, on peut regarder du speedrun. Ce soir, c'est... Je serais chaud qu'on regarde le speedrun de FNAF into the beach, j'allais dire. Into the pit. Je serais chaud de regarder ça. Et à la limite, je me dis que peut-être que demain, ce que je pourrais faire, vu que je pense que je streamerai... parce que là, j'en profite, vu que la meilleure amie de ma sœur n'est pas là cette semaine. J'en profite pour streamer un petit peu... les soirs, mais et de streamer dans des conditions normales où je peux parler normalement. C'est pour ça que là, je me suis permis de jouer à Angry Penguin parce que je savais que si je m'énervais, c'était pas grave. Mais le hockey, putain, j'avoue, je sais même pas comment ça s'écrit le hockey. C'est pas le hockey sur glace. Je crois que ça s'écrit à peu près comme ça. O-Q-U-A-I, non ? O-Q-U-A-I ? Pas du tout. Par contre, tu as hockey. Richelieu, si tu veux. Mais bon, mais je serais très chaud cette semaine, du coup, de regarder des speedruns. Ça pourrait être... Non, je dis de la merde. Je pense que le week-end prochain... la semaine prochaine, genre lundi, mardi, jeudi, qui sont des soirs sur lesquels je ne stream pas habituellement, je pense que on regardera des speedruns. Et parmi ces speedruns-là, on aura donc FNAF Into the Pit, on va regarder dès ce soir le speedrun. Je pense qu'on va regarder le 3 Star d'ailleurs. Voilà, on va regarder l'équivalent du 100% du jeu. Je pense que ça va être le plus intéressant à regarder. Et la semaine prochaine, du coup, je serai chaud qu'on regarde le speedrun de tous les Donkey Kong.
Donc, je pense qu'en un soir, on peut regarder les trois Donkey Kong sur Super NES. Un autre soir, on regarde le speedrun de Country Returns. Et l'autre soir, on regarde le speedrun de Country Tropical Freeze. Donc, on se dit, genre, bon, après, si j'y pense et si je me chauffe, hein. Donc, lundi soir, la semaine prochaine, les Donkey Kong Super NES. Mardi, Country Returns. Mercredi, bon, Animal Crossing, le Let's Play, vous connaissez. Jeudi, on regarde le speedrun de Country Tropical Freeze, de Donkey Kong. Vendredi, début de Luigi's Mansion, vu que Pokémon Xenoverse, ça se termine cette semaine. Et le samedi, on continuera Zelda, que je commence ce samedi. Voilà. D'ailleurs, ce week-end, je ferai du Genshin. Également le samedi après-midi, où je ferai l'acte 2 de Natlan. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous ai pris beaucoup de temps sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette VOD. Là, j'ai souffert, mais je suis content. J'ai fait une belle performance. Donc écoutez, évidemment, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à follower. N'hésitez pas à follower. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch qui est en description. Et voilà, et de vous abonner à la chaîne principale Lival ou même la chaîne VOD. Voilà, et bah sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé. Et YouTube, on se dit bien évidemment à la prochaine pour une prochaine VOD. Allez, salut!